Chers amis, bonjour. Nous allons donc boucler la boucle de cette saison 2018-2019 à Marseille. Et vous en conviendrez comme moi, en arrière-plan ici, nous n'avons rien à envier aux calanques marseillaises en question. Alors pour évoquer ce match à Marseille, qui n'est jamais un match tout à fait comme les autres, nous allons réveiller quelques bons souvenirs de l'histoire avec le jeune et sémillant jeune homme qui est à côté de moi, que les plus anciens évidemment n'auront aucun mal à reconnaître, mais que les plus jeunes vont découvrir. Et ce n'est pas tout à fait un hasard si nous allons passer quelques minutes aujourd'hui avec Patrick Soria. Bonjour Patrick. Bonjour Philippe. Alors Patrick Soria, pour ceux qui ne le sauraient pas, vous ne devez pas être très nombreux, est le joueur dans l'histoire de la Paillade qui a disputé un match avec l'équipe pro au plus jeune âge, puisque Patrick, c'est un pan de votre histoire et c'est, ça fait de vous quelqu'un de très particulier dans le club. Vous avez débuté en pro à 17 ans. Oui, exactement. J'ai débuté contre Alès, à Alès, bien sûr, à 17 ans. À 17 ans, donc là, nous sommes au début des années 80, 82, 83. Mais c'est surtout de la saison 83-84 dont on va parler, parce que c'est celle qui a le plus marqué votre période, votre pan de carrière à Montpellier. Exactement. C'est là où j'ai débuté avec comme entraîneur Robert Lousari, qui m'a fait vraiment, vraiment confiance. Et c'est là où j'ai pu étaler mes talents d'avant-centre à Montpellier. Les dirigeants croyaient beaucoup en vous. Vous étiez attaquant, vous l'avez de toute façon toujours été. Cette année-là, vous allez, entre autres, parce que vous l'avez souvent évoqué dans vos souvenirs, vous allez entre autres jouer un match qui va rester dans les mémoires à Cannes, où véritablement ça a été top ça. Oui, c'était top. Oui, c'était contre Cannes à la Mosson. J'avais fait un excellent match et je suis parti un petit peu de là. Et après, c'est vrai que l'entraîneur, qui s'appelait Robert Lousari, m'a fait vraiment, vraiment confiance. Alors, vous voilà propulsé chez les pros. Vous allez signer votre premier contrat professionnel à quasiment 19 ans. Et alors, puisque je le disais en début d'interview, nous finissons cette présente saison à Marseille. Vous allez vivre un moment exceptionnel. Ça fait hérisser un peu le poil. Vous voilà au stade Vélodrome. Est-ce que vous vous rappelez très précisément, à l'orée de vos 19 ans, ce qui se passe en vous à ce moment-là? Oui, c'est vrai que bon, quand on est arrivé avec le bus, bien sûr, nous sommes allés dans les vestiaires. Nous sommes montés sur le stade. C'est vrai que c'est un public, vraiment un grand, grand public, parce que bon, quand on arrive, on a des frissons. C'est, on va dire, le 12e homme de Marseille. Et c'est un public extraordinaire. Et franchement, c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu à mon âge. Que ça sera renouvelé, ça me ferait plaisir d'y retourner au stade Vélodrome en tant que joueur. Alors, il faut quand même rappeler ou vous apprendre, chers amis, que durant cette saison 83-84, l'Olympique de Marseille marche sur l'eau en deuxième division. C'est une équipe intouchable qui va terminer la saison avec un goal average de plus 60. Donc, c'est véritablement l'équipe intouchable. Hein. Exactement. C'était une grosse équipe. Et bon, on avait fini cinquième parce que le président Louis Nicolin nous avait dit aux jeunes, voilà, on va repartir avec des jeunes. Et c'est vrai qu'on a eu tous un peu notre chance. On a été très contents de se retrouver en 83-84 avec Montpellier. On avait fini cinquième cette année-là. Cinquième avec une équipe très majoritairement composée de jeunes joueurs issus du centre de formation. Alors vous êtes quand même de la lignée, de la cuvée des Laurent Blanc, des frères Passy. Oui, exactement, avec Pascal Baïs, avec Kader Ferraoui, avec un peu tout ce monde-là. On a fait vraiment une belle saison, voilà. Et remettons les choses dans leur contexte à Marseille ce jour-là. Lorsque Patrick Soria a fait son apparition sur la pelouse du Vélodrome, on va en parler avec lui, se trouvait en face un certain José Anigo, un certain Éric Dimeco qui avait 17 ans, un Christophe Galtier qui en avait 18 consumés. Et vous n'allez pas démarrer ce match, puisque vous êtes quand même un petit peu chapeauté par Jean-Pierre Kern à l'époque, qui est le titulaire patenté. Oui, c'est ça exactement. Mais enfin, bon, quand Robert Lousari m'appelle pour rentrer dans ce match-là, c'est vrai qu'on a des frissons et on a envie de rentrer dans le grand bain, comme on dit. Et encore une fois, ce public, ce 12e homme qui est là et qui pousse son équipe. Et dès qu'on touche le ballon, c'est vraiment quelque chose de fantastique. Et comme je dis, je pense que c'est quelque chose que tout le monde aimerait bien vivre sur le stade de Vélodrome, même qu'il soit refait aujourd'hui, mais c'est des époques vraiment extraordinaires. Et là, il y a les supporters, les fans, les spectateurs qui
toujours, quand on s'adresse à un ancien joueur professionnel, se pose la même question, se transporte à la place du joueur. Ça doit faire quelque chose quand même, bon sang, à cet âge-là. Ah, c'est sûr, à 19 ans de rentrer au stade Vélodrome, c'est sûr que ça fait vraiment, vraiment, vraiment des frissons quand on rentre. Après, on fait abstraction complètement dès qu'on est sur le terrain, mais vraiment, c'est une joie immense d'avoir foulé le stade de Vélodrome, et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui diraient, si je pouvais le fouler, moi, cette pelouse, je m'en régalerais. Alors vous aviez marqué vraiment tout jeune, au tout début de votre carrière, déjà 3 buts cette saison-là. J'imagine que vous êtes motivé comme personne peut l'être à votre place, hein, parce que vous vous dites, ça y est, c'est cette année quoi, pour moi. C'est sûr, c'était cette année pour moi, mais après j'ai eu malheureusement un accident de voiture qui m'a éloigné longtemps des terrains, et j'ai essayé de revenir. Bien sûr que je suis revenu, mais il manquait quelque chose, et voilà, j'ai pas pu passer à la vitesse supérieure, ce qui s'appelle la Ligue 1. C'est pour ça que j'ai végété en D2 et en D3. Alors un peu plus de 30 ans après, le temps a passé, mais les souvenirs restent. Je sais que beaucoup aimeraient vous poser la question, Patrick, ce sont des souvenirs qui ressurgissent comme ça, mais de bons souvenirs, vous n'êtes pas nostalgique de... Non, pas nostalgique, mais enfin d'avoir vécu cette ambiance dans tous les stades que j'ai fait, ça c'est important surtout. Le stade qui m'est resté dans ma tête, c'est vraiment l'Olympique de Marseille, de jouer contre eux. Et après nostalgique, non, c'est comme dans mes affaires, en ce moment j'entreprends toutes mes affaires et je suis toujours là. Je suis un attaquant comme on dit, et j'aime aller droit au but. Pas de sentiment d'inachevé ? Non, pas du tout, parce que je pense que bon, il y a eu cet accident qui s'est passé. Sur mon genou, mais après, bon, non, pas du tout, parce qu'aujourd'hui, dans ma vie, tout va bien. Voilà, j'entreprends beaucoup dans mes affaires, et ce qui m'intéresse aujourd'hui, le passé, c'est derrière, mais les souvenirs restent vraiment. On s'en voudrait de ne pas vous poser la question, parce que vous avez forcément un regard avisé sur la saison actuelle, 2018-2019. Les Montpelliérains de Der Zakarian s'en vont au Vélodrome pour y défendre cette 5e place. Pensez-vous que, compte tenu des forces en présence aujourd'hui, le coup est jouable ? Oui, je pense. Ils peuvent de les voir perdre, je ne pense pas aujourd'hui, parce que vraiment, avec l'effectif qu'il y a, on est Montpellier, on n'a pas le budget des autres équipes, on se retrouve 5e, enfin ex aequo en ce moment, mais je pense que Montpellier peut faire quelque chose contre l'Olympique de Marseille aujourd'hui. Et sauf froisser votre modestie, si on s'amusait comme ça, ça ne coûte rien. Est-ce que vous pensez que vous pourriez tenir la distance aujourd'hui, compte tenu de l'évolution du foot sur le terrain ? Non, l'évolution du football a vraiment, vraiment évolué. C'est comme aujourd'hui les jeunes, c'est pas nous à l'époque. Et je ne pense pas, vraiment, franchement. Ça a vraiment évolué. Je ne pense pas qu'on pourrait faire aujourd'hui ce qu'on a eu fait dans le passé. Patrick Soria, chers amis, a été joueur professionnel à Montpellier dès l'âge de 19 ans. Premier match avec les pros à 17. Peu peuvent se vanter dans l'histoire du club d'avoir débuté si tôt cette carrière. Patrick Soria, donc, au début des années 80, vous êtes resté 5 ans au club. 6 ans. 6 ans. Au club. 6 ans au club, je suis resté. Et après, je suis parti à l'année de la montée en 86. Je suis parti à Istres. Et donc, Patrick Soria se souvient aussi du grand frisson que procure généralement l'arrivée au stade Vélodrome. On l'espère aussi très positif pour l'équipe de Der Zakarian. Merci Patrick. Merci Philippe.